It's a wedding day. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Ah, hier j'ai complètement zappé de te amener avec moi. C'était le mariage civil de Cyril et Erwan. C'est des chouchous et aujourd'hui c'est leur mariage au Ritz. Je t'emmène, j'ai préparé mes affaires et tout. Et là je vais me préparer. M'être présenté à l'accueil, signaler ma présence auprès de la sécurité et des organisateurs. Je demande le numéro de la chambre afin qu'ils puissent prévenir aussi le couple de mon arrivée avant d'aller les voir en chambre. Et coucou. Ah, c'est mignon. Ah, c'est trop mignon. Bonjour. Bonjour madame. Je suis la photographe du mariage, hein. Vous en faites d'accord. Pas. on ne sait pas trop où on va cet après-midi, on ne sait pas. On va par rapport à la météo. On ne sait pas. Ouais, je sais bien. Et la mariée vous a confié normalement des M&M's. Des quoi? Des M&M's. Alors moi j'ai reçu du Saint-Joseph. Non. Mais M&M's, je n'ai pas reçu des M&M's. Elle m'a dit qu'elle a donné un carton. Oui, elle me l'a dit. Bien offré. Mais en fait, il y a les cartons d'invitation à l'intérieur que je dois photographier. À l'intérieur de... Du carton avec les M&M's. Cher Maureen, as-tu reçu des M&M's? On va voir ça. Ah là là, les pauvres. Vous allez entendre mariage plus vieux, mariage heureux. Ah mais ça c'est sûr. Voilà. Mais il faut surtout pas dire au marié, je crois. Ah bon? Ouais, elle me l'a dit hier. Elle dit si j'en entends rien de dire ça. Ah oh, bah c'est sûr, il y a toujours... On va l'entendre, hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est comme ça. Bon, moi je récupère ça. Oui, a priori, c'est ça. Parfait, top. Ça y est, je vous l'ai dit. J'ai annoncé que j'avais un mariage sous la pluie, on m'a dit mariage heureux, mariage plus vieux, mariage heureux. Alors là, je me mets sur le petit sofa parce qu'il y a du doré, comme sur les faire-part. Ma petite mariée, ma petite Monica, comme friends, aime bien les choses carrées et parallèles. Normalement, je fais les flatteries un petit peu éclatées, mais là, je vais essayer de lui faire plaisir. Et faire comme elle aime. Bon, la configuration de la cérémonie a encore changé parce qu'il pleut. Du coup, on fait tout un peu à la dernière minute. Et malheureusement, c'est pas la meilleure configuration pour les photos. Bien évidemment. Je vais mettre juste là, les mains dans les poches. Tu veux mettre la GoPro quand même ? Ouais. Tu m'aurais dit sur le dernier, je sais pas. Regarde là-bas. Parfait, merci. Viens. Tiens, regarde là-bas, il n'y a personne. Je veux voir la bibliothèque. Ah, ouais. Les garçons, tu les veux ici ou tu les veux dans les escaliers? Pardon? Les garçons, tu les veux ici ou dans les escaliers? Oh, c'est pas plus sympa dans les escaliers. Ok. Tac, tac, tac. Erwan, tu peux descendre d'un pas, s'il te plaît? Là, c'est pas mal. Parfait, top. Regardez-moi tous. Est-ce que je peux vous avoir tous devant le Ritz? Là, je retourne voir la mariée pour faire ses préparatifs. Prédire ce que Erwan et Cyril auront éventuellement à traverser dans leur vie de couple. Ah d'accord. Attaque de bisous. Plus sur la joue et Cyril, tu baisses un peu ta tête.
Yes. Tiens-toi droit. Et du coup, tourne-toi pour que je vois de face. Parfait. Est-ce que tu peux tenir ton bouquet devant toi? Ce qui reste de ton bouquet. Ok, allez-y, avancez. Regardez-vous. En mode bourré. Oh, ma tête après un mariage. On dirait que j'ai fait la bringue. Alors pas du tout. Ça y est, c'est terminé. C'est un mini 48 heures wedding. C'était au Ritz qui est derrière. Le couple était trop chou. J'étais trop contente de partager ce moment avec eux. Et là je rentre, je suis éclatée, je vais dormir, bien dormir et terminer tout ce que j'ai à faire avant le prochain mariage en Grèce. Il y en a pour 15 jours. Je rentre, j'enchaîne, je vais en Provence, je fais un baptême. Je pars à Toulouse après pour faire un truc pro. Bref, mois de juin très chargé encore. Et je te dis à la prochaine pour le 48 heures wedding en Grèce.